Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Voilà, cette petite vidéo, histoire de discuter deux minutes avec vous, pour vous expliquer certaines petites choses, et puis voilà. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de colère ce soir, je ne suis pas dans la colère, au contraire. Donc déjà, pour commencer, amis marseillais, je suis à Marseille à partir de demain, jusqu'à mardi après-midi. Je reprends l'avion à 16h30, donc vendredi, mardi après-midi. Si vous souhaitez me voir, n'hésitez pas à venir me voir ou à me demander où je suis pour pouvoir me voir. Je devais aller à Toulon, mais je n'irai pas à Toulon. Je vais rester sur Marseille. Voilà, ça c'est la première des choses parce que c'est, fallait que je vous le dise, et tout simplement. Toutes les commandes que vous avez passées sont parties. Et puis... vous allez pouvoir recevoir ces colis pendant d'ici 2-3 jours. Voilà. Sachez que c'est en colissimo et c'est en lettres suivies pour tous vos appels, quoi, tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez besoin de quelque chose. Je serai donc à Dijon à partir de jeudi prochain pour un mois. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer un mois complet à être à Dijon. Pour faire des salons, pour faire un marché de Noël et puis pour faire des ventes live avec les objets que j'aurai chez moi. Et puis ça partira avant Noël, histoire que vous ayez ces petites décorations ou ces petites choses pour offrir à Noël, avec le calendrier de l'Avent que vous pourrez retrouver à partir du 20. Ça, c'est pour la partie pratique et pour la partie... voilà, de tout ce que vous avez besoin. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation, je reprends un peu du service. Voilà, et puis il y a des formations le 13, le 14 et le 20 décembre à Dijon pour les formations Reiki, Laoshi de la 13e octave. Si vous souhaitez passer un moment avec moi, n'hésitez pas. Donc c'est à Quetigny, à Terrasse. Voilà, ça c'est pour la partie des nouvelles et des énergies. Et voilà, de vous expliquer un petit peu la marche à suivre avant la fin de l'année. Et puis la dernière petite chose, et la chose qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est, voilà, moi je suis toujours présent pour chacun de vous au quotidien, c'est-à-dire que quand vous avez besoin, je suis toujours là pour vous, donc voilà, il ne faut pas hésiter. Après effectivement, en ce moment j'ai beaucoup de travail, je fais beaucoup de choses, donc c'est vrai que des fois j'ai un peu moins de temps pour vous ou pour les gens tout simplement. Alors ne m'en voulez pas parce que certains pensent que je les oublie ou parce que je n'ai pas envie de leur parler. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'entre la semaine dernière et cette semaine, avec les deux ventes que j'ai faites, j'ai eu beaucoup de travail. Il fallait préparer les commandes, il fallait recommander, il fallait faire des scies, machin, des trucs et tout ça. Aujourd'hui, j'ai appris par une de mes amies, d'une personne que j'ai beaucoup appréciée, avec qui j'ai été ami pendant plus de 5 ans, et cette personne-là, il lui est arrivé des petites merdes. C'est-à-dire, en fait, elle s'est retrouvée en psychiatrie parce qu'elle s'est sentie manipulée, possédée par un démon. Et en fait, il lui est arrivé beaucoup de petites galères. Alors, il faut savoir qu'elle avait coupé les liens avec moi parce que je pense que c'était trop pour elle et que à chaque fois que j'avais des choses à lui dire, je lui disais tout le temps, et je pense que j'ai peut-être été un petit peu trop loin, mais effectivement je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous enfoncer, je ne suis pas là pour vous déstabiliser. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est aussi de me dire de temps en temps que je vais trop loin, ça peut arriver, voilà. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment que Sophie, parce qu'elle s'appelle Sophie, qu'elle reprenne du poil de la bête. Voilà. Je lui souhaite de tout cœur de reprendre du poil de la bête, de reprendre une énergie puissante, qu'elle retrouve sa joie de vivre, qu'elle retrouve toute cette force et toutes ces énergies. Ses enfants, ils ont pris une très grande et une sage décision, voilà, de la faire aller en psychiatrie pour justement l'aider à se soigner et à aller mieux dans sa tête. Voilà, en tout cas, si Sophie m'écoute ou qu'elle me voit, ou voilà, qu'elle peut espérer que de toute façon je sois toujours là pour elle, hein, même si on a eu un petit moment de battement, je suis là pour elle si elle a besoin, tout simplement. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie toujours autant, hein. Voilà, moi c'est vrai que je suis un peu rancunier effectivement, mais je sais pardonner. Voilà.
Donc, soyez proche de vos amis, soyez proche de votre famille, c'est important. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que Dieu nous demande de faire. Aujourd'hui, on cumule, et puis à un moment donné, ça peut plus avancer. Alors, écoutez, sur ces bonnes paroles, si vous avez besoin vraiment de chatter, vous avez besoin de communiquer, n'hésitez pas. Soyez surtout dans l'amour du prochain, dans l'écoute du prochain. Prenez soin de vous, c'est aussi important parce que je trouve qu'on ne profite pas suffisamment de son état d'énergie, tout simplement. Et puis, ce qui est le plus important aussi, c'est d'être proche de ceux que l'on aime. Voilà. On peut passer les épreuves les plus difficiles, mais le plus important, c'est d'être solidaires les uns avec les autres, comme j'estime et comment j'aime que ça se passe dans cette communauté. Voilà. Ou dans ma famille, dans cette famille, puisque communauté, ça fait un peu sectaire, je dirais. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Prenez soin de vous. On se retrouvera peut-être ce week-end pour un petit live de voyance en direct de Marseille. Voilà, peut-être de Notre-Dame de la Garde ou peut-être d'ailleurs, on ne sait jamais. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous, les amis, et à très très vite. Merci.